Nous allons faire mise au point ça sur l'initiative Université Aix-Marseille en France avec l'Université de l'État d'Haïti via faculté de droit accès économique pour organiser un concours pédagogique sur droit monde. Nous allons regarder motivation, nous allons regarder pour qui ça. Je dis à un concours pour ça, tu as mérité attirer l'attention surtout étudiants et qui ont fait droit. Et puis, regardez toute réalité, faculté de droit accès économique, tout le monde connaît, gagné. Le fonds d'appui à la recherche, un ensemble d'étudiants dans la faculté de droit qui ont même quoi que ont mérité plus de temps pour postuler parce que sitôt que l'avis a été sorti, après quelques jours, ils n'ont pas eu encore et semblait déjà recrutement recampé. On va laisser faire le point avec un étudiant, un ancien étudiant dans la faculté de droit et sciences économiques qui d'ailleurs admis dans le barreau de Port-au-Prince, M. Wilgui Bessia. Qui est avec nous matin à la mise au point. Bonjour, bonsoir tout le monde. Maître Bessia, c'est un plaisir pour nous recevoir midi à ce TRH. Bonjour Servigno, bonjour tous les téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti. Bonjour à tous les étudiants, tous les juristes dans le monde de la Bazoche là. C'est un plaisir pour moi avec nous également matin. Parfait. Alors avant de parler de concours ça, et comment ça y est, je dis pour faculté de droit, sciences économiques de Port-au-Prince, c'est n'a pas marché, n'a fonctionné correctement. Oui, faculté de droit, c'est une faculté, je dis à l'université qui continue à fonctionner, bien que en dépit de tout ça, nous connaissons. Faculté a fonctionné, cours a fait normalement, professeurs a venu, étudiants a participé, donc tout bagage a marché, administration continue à fonctionner. Normalement. Alors, c'est la même réalité, j'en sais pour ethnologie et sciences humaines. Oui, c'est différent parce que la faculté, ça y a connu des crises dans le moment que nous avons parlé. Il y a une crise qui date depuis plusieurs années pour certains et l'année dernière pour d'autres. Donc, mais la faculté de droit a fait effort quand même pour l'été campé. Pour l'été campé, et ça t'a dit. Nous n'avons pas gagné des problèmes l'audia qui dérangeaient le fonctionnement entité ça. Nous pas qu'à dire pas gagné problème. Nous pas qu'à dire pas gagné problème sauf que problème yo pas supérieur assez pour faire que faculté assistante fonctionner tant que l'autre faculté. Tu as rapidement identifié problème ça ou, ça me dit. Bon d'abord nous connaissons chaque faculté dans l'université d'État a un problème de budget. OK, un problème de budget qui fait que pas gagné assez de fonds pour faculté a fonctionné véritablement dans la faculté, pas gagné assez de fonds pour recherche faite dans l'université, pour accompagner les étudiants, pour faire travail de mémoire, pour accompagner pour joindre des stages, pour accompagner également pour gagner une formation continue. Donc, nous connaissons toujours un problème ça dans pratiquement toute entité dans l'université d'État, donc ce n'est pas réalité seulement pour la faculté de droit. Et pas réalité faculté de droit seulement, mais au fait, qui ça, et l'équipe qui a mené la faculté a fait tout pour arriver à joindre des solutions appropriées à ce que dit là. Bon, normalement, moi-même, c'est un représentant qui, je dis, a gagné pour mission pour réaliser avec un comité un concours. Moi, pas gagné assez de bagages pour parler de ça. Ok, alors pas gagné, moi pas gagné mandat pour me parler de ça également. Mais je connais que. Observation pas. Est-ce que vous avez des efforts qui fait vraiment pour que si ça gagne comme fonds disponible, vous utilisez à bon escient. Bon, moi-même personnellement, parmi ça me connaît, par exemple. Faculté a connu des problèmes d'électricité et il y a un effort qui est à peine fait là pour nous procurer nous de nouveaux génératrices. OK, et faculté a gagné d'autres problèmes côté que professeur qu'on pas bail notre attend, il y a des efforts également qu'a fait pour ça problème ça résoudre et que pour étudier capable avancer. Une navaille qu'on toujours parlé pour faculté de droit accès économique de Port-au-Prince, c'est étudiant qui boucle le cycle là qui travaille sous même moyen qui pas rejoindre un professeur pour accompagner même qu'on dit faut que on l'argent pour ta arriver joindre support professeur, vrai ou faux monsieur Lindor? Je ne vais pas dire que c'est vrai, je ne vais pas dire que c'est faux. Moi, je suis dans la faculté, moi-même, je n'ai pas de vivre cette situation. Ça. Ok, je n'ai pas de situation côté que je paye professeur. Et normalement, c'est une faculté côté que
mériter plus encadrement pour étudiants, mériter plus ces fonds qui alloués avec question recherche là, mériter également plus cours pour étudiants capables de faire mémoire par la suite. Maintenant, si ça t'arrive que gagne en situation côté que gagne des professeurs qui t'a prend l'argent, je pense que c'est une situation particulière. OK, mais un paquet d'étudiants que me connais qui était dans la même promotion avec moi, qui était en même, qui fait mémoire de sortie, yo, sans que vous n'ayez pas dépensé un goût de payer professeur. Parfait. Et il y a un gardien faculté qui est très célèbre dans le pays, comme quoi, qu'on facilite étudiants dans le moment d'examen, il y a accès à sa pralba, etc. Par contre, ça parle en pile, tout, heureusement, avec un ancien étudiant faculté de droit qui est capable d'infirmer ou confirmer. Moi, encore une fois, je ne suis pas capable de confirmer la question ça. Parce que pendant 4 années, pendant 4 années, je suis passé à la faculté de droit, je réalisais que l'examen est fait dans des conditions vraiment sérieuses. Vraiment sérieuses. Je n'ai pas reproché l'autre faculté et l'autre faculté, l'autre entité, ou du moins, même l'examen d'État, je n'ai pas reproché certaines choses, mais la faculté de droit. Non seulement gagner en surveillance qui tight, mais tout et après examen, hein, professeur yo pas joué notre avec nos étudiants yo, yo dessouché yo normalement et bah professeur yo copie yo, ensuite le retourner dans secrétariat, travail en retourner fait pour que pas gagner genre de situation ça yo. Mais j'aime dire là puisque moins pas maîtriser faculté à tout son ensemble, capable toujours gagner quelque chose qui passait, mais et me penser que structure que qui gagne actuellement dans faculté a pas favorisé question ça. Bon, là son avocat très prudent et mais au fait et, je dis à la qualité formation qu'a bail dans faculté, aller regarder ça qu'a bail dans région, nous pas rien pour nous perdre, nous estimons nous très compétitifs et comme ancien étudiant. Oui, oui, m'estimer que nous très compétitifs. D'ailleurs, la preuve, gagner plusieurs concours qui sont faits là, dans le pays l'année dernière. Si je suis capable de prendre un concours de l'OMRH, okay, Office de Management et des Ressources Humaines. Si je suis capable de prendre également un concours que le ministère des Affaires étrangères fait. Et ok, c'est des concours et dans lesquels faculté de droit représenter valablement. OK, gagner capable de dire dans concours MRH là des dizaines d'étudiants qui étaient faculté de droit et qui réussit convenablement. Et alors, on parle de bagues faites en Haïti. Oui, m'a parlé de en Haïti, mais parallèlement et lorsque yo mandé étudiants faculté de droit pour postuler à l'étranger, gagner des universités qui après yo fin recevoir relevé de notes, yo, estimé que étudiant ça a dû rentrer directement dans Master 2 parce que il y a assez. Quand ça fait mal de ça, c'est parce que parfois quand tu as des étudiants qui parlent sur le coup, qui cherchent un vieux cahier, et puis qui battent bas, yo, et puis qui ont juste composé, et puis qui peut-être fait tout cycle presque comme ça. Et c'est ça fait que les gens qui ont même parlé de faculté de droit comme école classique avancée, ou comment c'est étudier au cas dit, est-ce que c'est sa réalité à vivre? Si c'est pas ça, et qui ça exactement, et pour qui ça généralement, moun yo gagne un mode approche ça, mode observation ça sur faculté de droit. Oui, normalement, il y a une précision que nous devons connaître dans la question ça. Par exemple, l'on étudie dans la première année. L'absurde cours de français, cours de méthodologie, cours de statistique, cours d'introduction au droit, cours d'introduction à la sociologie. Si étudiant sa faculté des sciences humaines déjà par exemple, il te suivre tout cours ça déjà. Il gagne une facilité pour composer dans cours ça sans problème, c'est puisque ce sont de mise à niveau. Donc étudiant ça, oui. Il a même dispensé le premier année. Voilà, dispensé le premier année. Il a permettre de passer. Deux années, ça a presque pas une école. Si que le Dégol font l'autre faculté déjà. Et puis, il vient composer. Parce que c'est même cursus là pratiquement. Mais étudier ça, pour l'obliger, vient d'un cours vraiment. Là, il commence à attaquer l'année suivante. Okay. C'est réalité en ça. Parce que gagner des cours, si vous ne pas suivre, je vous donne la garantie, vous ne pas passer.
OK, parce que cours lui-même est non seulement théorique, mais pratique également à l'intérieur des salles de classe. Sauf si vous avez fait une faculté de droit déjà. Mais donc c'est ça, un étudiant qui permet vraiment pour lui faire une année, une première année, pour ne pas venir à l'école. Mais il dit que l'étudiant qui a fait tout le cursus là, ou du moins pas suivre tout le cours et puis il vient le passer et le sortir, non. Pas comme ça. Mais je dis à tout, on somme de l'école de droit qui a pullulé dans le pays. Par exemple, question, on a la plaie annexe, tout côté passé dans votre presse, son annexe. Nous pas quoi tout ça capable de déranger l'image de marque. Et profession ça, le droit? Normalement, le droit est pratique. Et c'est pour ça, chaque barreau exige pour faire 2 ans de stage. Et avant 2 ans de stage, il faut que vous faites 6 mois dans le barreau de Port-au-Prince, par exemple, en formation. OK? Donc, lorsque vous avez un avocat sur le terrain, son produit fini, son véritable produit qui, à la fois, suivent des formations théoriques et pratiques dans son barreau et qui est capable d'exercer normalement sans aucun problème. Ça veut dire que vous avez fait école de droit, vous n'avez pas aucun barreau, et ça, vous n'avez pas exercer le métier. Non. Et c'est juridique, c'est légal, ou doit inévitablement rentrer dans un barreau après qu'on finit licencié pour venir l'avocat normalement. Maintenant, pour ça, vous croyez tout en goût ça pour M. Damien fait droit, parce que si vous tout en ça, parce que vous demande. Oui, je pense que il y a plusieurs raisons. Premièrement, le droit, c'est une discipline et côté que formation très courte. OK? Si nous t'as retiré première année pour un étudiant qui font faculté déjà, c'est comme si il était 3 ans. Il était 3 ans pour les faire et puis pour les avancer. Et puis, le droit, c'est une discipline côté que gagne une multitude d'ouvertures. OK? L'on fait droit ou capable, non seulement avocat, ou capable consultant. Par exemple, l'année dernière, étudiant en droit, tu joins l'occasion pour aller dans le concours du barreau, concours de l'OMRH, concours du ministère des Affaires étrangères pour devenir diplomate. Yo gen occasion également pour yo aller faire master, pour yo venir des consultants juridiques dans le pays. Donc, il y a une multitude d'ouvertures qui là pour un étudiant qui fait droit. Bien que ce n'est pas réellement discipline qui gagne plus moyen, plus d'argent, plus l'argent. Et, mais il y a une pile d'ouverture dans la question du droit. Puis l'ouverture. Et maintenant, vous ne connaissez pas comme vous proche des canards, et vous ne connaissez pas qui regarde et qui rapporte que facteur de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, entretenu avec de annexes qui ont été coûts, je dis à Port-au-Prince. Et... Normalement, annexes n'ont pas été coûts pour faculté de droit. Annexes n'ont pas été coûts pour école de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Okay. Surtout. Donc, faculté de droit, il prend yon quantité d'étudiants après concours. OK? Et tout étudiant, ça a une possibilité pour suivre le cours normalement. Est-ce que ça va arriver qu'on étudie Gonaïve suivre le cours dans la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince? M'a dit, puisque moi j'étais dans la faculté, m'a dit oui. M'a dit oui, il va arriver que yo suivre le cours et ça arrive que il y a plusieurs étudiants qui faculté et qui une école de Gonaïve, de droit de Gonaïve qui suivent pendant plusieurs années dans la faculté, ils ont développé une certaine courtoisie avec l'autre étudiant. Donc c'est comme si ils ont dans la faculté, mais automatiquement que l'étudiant joue une place, ok, un étudiant capable dans la faculté en tant qu'étudiant ou bien visiteur, auditeur. Ou bien auditeur justement, et automatiquement que ils jouent une place, ils sont capables de suivre le cours sans problème. Donc c'est ça c'est un facteur également qui qu'on fait au monde dit ont l'autre cap fait 4 années il pas venir suivre cours et puis il passer ça qu'arrivé que monde n'a pas suivre cours dans faculté côté que il inscrit à normalement donc il a suivre cours dans l'autre faculté et puis le examen arrivé il est venu passer par exemple l'on prend un cours de droit civil c'est le même code civil.
OK, donc c'est le même courant qui est dispensé de tous côtés. Donc, ce sont les mêmes articles. Et donc, pas aucun problème pour un étudiant et suivre cours et Port-au-Prince. Et puis, l'examen arrivé Gonaïve, il y a les composés normalement. Mm-hmm. Même si ce n'est pas le même professeur. Même si ce n'est pas le même professeur. Ouais. Parce que réponse, je suis capable de dire, sauf cours qui m'ont des argumentations différentes, mais et à la fois les lois, la jurisprudence et sont tous les mêmes. Mm-hmm. Maintenant, je veux dire, il y a un fonds d'appui à la recherche là, parce que c'est quand même une volée qui fait un peu le problème. Au niveau de l'Université d'Haïti, vous les recherches là, même professeur un peu là, de ou pas produit vrai, j'en sais pas lui fait, j'en le fait dans un centre universitaire dans l'autre pays. Et nous avons une idée de comment font ça, et qui ça la donne, qui conditions pour un jeune rempli pour y accès avec lui. Et surtout, nous avons un peu le plein, bon côté étudiant FDSE, qui croit que il a manqué informé de font ça. Normalement, moi-même, m'a dit avant tout que font ça c'est l'électorat il dépend et puisque moi pas fait partie de l'électorat pas capable un peu l'explication sur les sauf que me capable de mettre un point de vue tout petit font ça et notre sorti normalement pour inviter étudiants yo pour yo participer pour yo soumettre sujet de mémoire yo non professeur et en cadeau, ok. Mais dans le monde qui parlait de 30 000 gouttes, puisque le poko débloqué pas qu'à confirmer, dit que c'est prêt à 30 000 gouttes. Même moi-même personnellement, m'estime que le rectorat et l'État haïtien yo doit repenser question ça différemment. Pourquoi ça? Parce que bayon étudiant 30 000 gouttes pour produire mémoire, li pas résoudre problème. Pas résoudre problème en dans l'université d'État. Parce que le problème est grave. Le problème est grave. Lorsque yon graduation faite, ou du moins lorsque yon promotion finit, qu'on y a environ 400 étudiants. Imaginez, ça moi-même, je suis conscient de lui, dans la promotion 2012-2016, qui finit 2016 dans la faculté de droit, je dis à nous en 2018, il y a seulement 12 étudiants qui soutenent. Sur combien? Sur 400. Il y a seulement 12 étudiants qui soutiennent mémoire de sortie. Et c'est une garde ça qui fait pas soutenir tout. Voilà, c'est pour ça que je questionne la problématique que font ça lui-même, lui poser en lui-même. Pour que le rectorat avec l'État haïtien garde les différemment. Parce que 12 sur 400, c'est moins de 5%. Parce que dans 400, 40, c'est 10%. 20, c'est 5%. Donc c'est moins de 5%. Donc, un investissement que l'État haïtien fait pendant 4 années, pour ne pas sauver 10% de la donne, c'est grave. Donc, devoir l'État avec le rectorat, c'est repenser la question. Repenser comment vous pouvez aider les étudiants pour sortir, pour que. Parce que l'université de l'État, c'est avant tout. C'est produit des cadres pour servir l'administration publique. Mais t'as qu'à dire tout, c'est pas eux. Si l'étudiant n'a pas une volonté pour le produit mémoire, il n'y a pas qu'à forcer le faire non plus. Nous d'accord, parce que même la majorité ensemble d'étudiants, moi-même, dès qu'on est dans la promotion, en pile qu'une volonté. Parce que moi-même. Ça passe, ça a dit. Là, j'ai un moyen. Il faut qu'il y ait moyen pour venir dans la faculté régulièrement, pour venir dans la bibliothèque, pour faire recherche ou qu'on est sans des corps. Il faut qu'il y ait moyen pour aller dans d'autres. Dans d'autres bibliothèques pour produire recherche et faut où tu aies une formation et méthodologique adéquate. Non, mais là, ça c'est faculté. Hein? C'est sûr que par exemple, connaissance humaine, à côté de méthodologie 1, méthodologie 2, ou bien tout atelier de mémoire 1, atelier de mémoire 2, qui quand même accompagne l'étudiant, qui a les outils qu'il faut pour le capable mieux approcher questions pour l'aborder dans le cadre de mémoire lire. Faculté des sciences humaines, nous sommes d'accord, il te résout le problème ça. Il résout le problème ça, mais ça n'a pas fait que ou joindre plus dans le pourcentage ça que nous sommes dit là, à la fin du cycle faculté des sciences humaines. Parce que moi-même, c'est ancien de la faculté des sciences humaines également, et j'ai étudié la sociologie là-bas. Ça n'a pas fait que ou joindre plus, parce que le problème, les conditions de vie étudiant, il n'y a pas qu'à joindre une cafétéria, parce que. Le lap travail pendant une journée. S'il pas qu'à manger bien, il pas qu'à, il pas dans condition normale, il pas qu'à produire bien normalement.
pour faire impression travail là, parce que pour faire mon impression de mémoire ça coûte environ 7500 gouttes pour faire une impression travail là, et puis pour soumettre li régulièrement par professeur, parce que pas fonctionne l'impression, faut faire une première impression de temps en temps avant avancer pour payer par professeur en cas de là pour lui-même gérer et les garder le pour et puis l'hypothèque correction et puis pour même moi le continuer travail. Donc problème non faculté de droit par exemple, lui demander plus fonds. Lui demander plus fonds parce que faut qu'il y ait plus fonds pour question professeur là, pour question de cours que on s'est évoqué là résoudre. Parce que si pas gain plus fonds ou pas qu'à engager plus professeur. OK, faut non budget a gain assez de moyens pour ça. Ensuite faut étudier en conditions favorables, faut qu'il y ait plus livres la bibliothèque. Yo. OK? Faut que nous joignons assez de moyens pour faculté à commander des livres qui adaptés à situation nouvelle yo. Par exemple, bon étudiant qui a qui parlait avec moi dernièrement, lui-même c'est une fille qui était dans promotion 2011-2015. Il a travaillé sur les problématiques de la circulation routière. Par exemple, la production, ouais, pas de production du tout. Maintenant, qui ça étudiant ça pourrait le faire pour arriver à coucher travail de mémoire? C'est la peut-être ça que tu travailles plus pratique, il faut sur le sujet. Voilà, et en ce qui concerne la recherche, lorsqu'on va faire un travail, il faut sentir dans la peau, il faut sentir bien, il faut sentir où. C'est évident. Voilà, épanouir notre travail. Là. Donc, c'est ça qui a fait tout bas résultat. Voilà, c'est ça qui a fait bas résultat. Parce que, ou vini, passionné du travail qu'on va faire. Mon affaire de travail sur la circulation routière, les passionnés, là où il y a pour tout faire observation, yo. Pour tout appeler et produire travail lien quotidiennement. Ok, donc dès le choisir l'autre sujet, c'est contraindre à faire un travail que le parent aimait. Donc tout ça est rentré dans un problème que l'université d'État avec l'État haïtien, y a gagné une richesse dans l'université d'État d'Haïti. Malheureusement, les mémoires, ça vient faire tout, ne pas faire promotion pour eux, tu as peut-être aidé à résoudre ensemble problème pays à connaître, je veux dire. Justement, c'est tout ça encore l'utilité que l'université a gagné pour servir pays à. Parce que l'on étudiant fait un fond travail de mémoire sur problématique habeas corpus, sur problématique et respect de l'amour dans pays à, sur problématique et juridiction, sur problématique et droit pénal. Yo. Pas gagné aucun suivi qui fait. Donc, parce que le rectorat surtout, il doit faire d'autres horizons. Parce que étudiants ont deux facultés de droit, ils font effort pour utiliser le pays et ils ont aimé que l'effort que vous faites, ils ne parlent pas. Absolument. Et pour la bibliothèque, là, je dis, il y a un petit changement. Il y a un nouveau livre qui arrive. Oui, mais on dit que si pas gagné un fonds vraiment, nous pas qu'à construire une véritable bibliothèque. Pas de bibliothèque faculté de droit. Justement, de pas qu'à construire une véritable bibliothèque parce que discipline yo a pas avancé. Yo a pas avancé, gagner de nouvelles théories qui a développé dans champ disciplinaire là. Question si cybercrime je dis. Justement, OK, la cybercriminalité toute bagaille ça va pas avancer. Maintenant, l'heure que nous pas gagné assez de moyens pour nous acheter des textes qui a besoin à 2500 gouda et 4000 gouda, 5000 gouda. Est-ce que vous adaptez tout à nouvelle réalité, ça veut dire? Tout bagaille va avancer progressivement. Il va avancer progressivement parce que faculté de droit a commencé à mettre de nouveaux cours. Par exemple, droit des affaires. Par exemple, développement durable, même si il y a là-dedans qui c'est un séminaire. Mais il a pas avancé avec le temps. Mais normalement, pour gagner une rénovation qui fait, il faut gagner assez de moyens pour ça. Et le passé, tout pour une vaste réforme au sein de l'UEH. Justement. Et bien, la réforme, ça a parlé longtemps. C'est pour ça que David Alia m'a plaidé indexé au tour. M'a plaidé indexé au tour parce que le changement, ça a été fait en amont. C'est les dirigeants qui doivent prendre responsabilité pour dire, mais ça a besoin. Chita avec des professeurs qui sont qualifiés,
pour cibler véritable problème qui gagne dans l'université hein, et puis porter des solutions à court et à long terme. En parlant de professeurs qualifiés, il y a une parole qu'on a parlé comme quoi il y a des professeurs qui sont en licence et qui ont quand même enseigné dans le premier cycle. Là. Est-ce que dans la faculté de droit, il y a un cas ça? Moins pas gagné que ce soit professeur qui n'a pas faculté de droit. Mais ça que je voulais attirer l'attention monde qui n'a monde de la base au champ, c'est que gagne un niveau, gagne un temps ou fait dans une discipline, yo konn ba ou yon certificat qui équivalent avec une maîtrise. Ça ou les validations des acquis de l'expérience. Validation des acquis de l'expérience. Yon professeur capable, certes, pas de faire maîtrise, mais avec ensemble d'expériences que li acquéri dans le domaine, li vin ge capacité pour dispenser yon cours. Et, par exemple, un professeur qui fait 20 ans dans le système judiciaire, là, li gravé tout échelon, li passé juge de paix, li vin juge d'instruction, li vin juge à la cour d'appel, li monté juge à la cour de cassation. Après 20 ans, moi-même, je pensais que nous pouvons admettre un professeur pareil, dispenser un cours sans problème. Mais ça quand même, tout là, continuer à étudier. Ça quand même, parce qu'après tout le temps, ça, le cas continuer à étudier, le cas pour maîtrise, ça va faire un doctorat, par exemple. Oui, ça est possible. Ça va dépendre de la position et mon ça tourne dans le système. Là. Mais c'est un doctorat. Tout vous gardez ça là comme ressource et puis aider au continuer, aider au. Oui. Malheureusement, en Haïti, nous pratiquement pas gagné des programmes de maîtrise. Nous gagnons quelques programmes. Oui, nous gagnons quelques programmes de maîtrise, mais qui pas englobé toutes les disciplines que UH a gagné. Donc, il est difficile pour dire où vous voulez faire en maîtrise en droit de l'homme. Ok? Il est difficile pour dire que vous voulez faire une maîtrise en procédure pénale. Ok? Si c'était lui-même qui était chiant que vous avez volé la donne, il est difficile pour dire ça en Haïti, je dis. Ah. Et maintenant, ça empêche vous aller, je ne connais pas. Ok, pas qu'à parler d'un professeur qui a une expérience depuis 20 ans dans le système. Mais je pense que il y a qui te fait effort ça, mais il y a d'autres qui développent une certaine compétence dans le système qui permettent que vous êtes capable expérience pas capable utile à génération future. Oui, Guy Bessier, ma propre sous admi dans le Port-au-Prince, et prétexte émission jeudi à ce concours plaidoirie sous droit moun et université ex-Marseille avec l'université d'État via faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince à organiser. Et dans la deuxième partie de l'émission, c'est ça nous allons parler de concours là, pour qui ça concours là, et thème qui va être traité, qui conditions de participation, qui s'en apprête-t-on au final. Et dans le cadre et activité ça, c'est avec Willy Bessian qui va voir tout ça, ou sous Télévision Nationale d'Haïti, on va suivre Mise au point. Voilà, c'est avec Willy Bessian qui a fait Mise au point aujourd'hui sous Télévision Nationale d'Haïti, deuxième partie après Chita essentiellement, sous concours plaidoirie sous droit moun. Université Ex-Marseille et puis faculté de droit, sciences économiques de Port-au-Prince. Côté l'idée, ça a sorti, M. Lucien. Normalement, je salue le professeur Gerby Blaise, qui est professeur de droit pénal spécial à la faculté de droit et des sciences économiques en deuxième année. Lycée doctorant en droit pénal et procédure pénale à l'Université Paris-Nanterre. Et c'est grâce à lui, dans la discussion que j'ai eue avec le responsable de l'université ex-Marseille en province, qui a demandé une représentation de plusieurs jeunes en Haïti pour participer à un colloque d'été qui a fait en France du 18 au 29 juin 2018. Côté que, il y a environ 50 participants. Maintenant, lui-même, il était négocié 6 places pour Haïti. Maintenant, pour que 6 places arrivent à sélectionner, partenariat ça vient rentrer en accord avec la faculté de droit.
et des sciences économiques. OK, qui du même coup désigné professeur Gerbi Blaise pour monter un comité de sélection pour réaliser concours ça. Donc l'idée c'est l'évini d'abord de professeur Gerbi Blaise et maintenant officiellement c'est une sorte de partenariat entre eux, l'université Aix-Marseille en Provence et la faculté de droit et des sciences économiques. Mm-hmm. Donc, maintenant, mm-hmm. Nous, pour qui ça c'est sous droit à monde. Normalement c'est université A qui université Aix-Marseille qui a fait colloque là. Mm-hmm. Il a fait exactement sur droits humains. OK, sur la pratique des droits humains à travers le monde. Plaidoirie sur droit monde qui vient ça va le passer. Normalement, c'est pour aller un colloque cap l'ouvri avec un juge qui dans Cour fédérale américaine là. Je voulais que nous décanter plaidoirie à deux colloques là. OK. Parce que plaidoirie c'est une phase dans concours qui pourra le fait là. C'est une phase dans le concours là parce que le concours là déjà est lancé. Il est lancé là maintenant pour que étudiants qui sont dans le domaine juridique yo, uniquement, yo participer. Mais pour yo participer, pour nous guider et sélectionner étudiants, il y a trois phases. D'abord, une phase de présélection, côté que le dossier pour aller étudier. Par exemple, si un étudiant qui part et remplit toutes les conditions, yo, qui est inscrit quand même, ça n'a pas obligé. Mettez-les de côté. Après phase de sélection, présélection, il y a une phase écrite qui a fait dans la locale faculté de droit. Et après phase écrite, il y a une phase orale. Phase orale, là, c'est les mêmes qui plaidoirie. OK, plaidoirie, ça, c'est candidat qui sélectionné après phase écrite. Là. C'est eux-mêmes qui peuvent aller passer dans la phase orale. Là, et après phase orale, là, 6 candidats peuvent aller. Pour aller retenu pour aller dans le colloque de TESA. Qui est-ce qui doit participer? Les gens qui doit participer, c'est étudiants qui sont en 4e année surtout. Après, étudiants qui finissent faire 4e année également, par exemple. À partir de la 4e année ou éligible? 4e année et plus. Ok? Quitte les gens pour remettre mémoire, quitte les remettre mémoire, ils sont capables de postuler. Ensuite, nous avons bien avocats. Avocat stagiaire également. Donc, automatiquement, au bas, on est capable de dire parce que le concours de plaidoirie pour étudier ou à fait à part, pour les avocats à part. Donc, il y a un pas défavoriser l'autre parce que parler étudier ou à quoi que puisque avocat ou à la donne et il y a même déjà en défaveur puisque. Et est-ce que vous avez 6 ça ou il a pris 6 de chaque côté? Non, pas pris 6 de chaque. Alors, il a pris 6 de chaque côté pour plaidoirie. Mm-hmm. Mais et puis à la fin, il a gagné une quantité de chaque côté et il a sélectionné pour aller en France. Parce que justement, il y a 6 places nous gagnons. Oui, 6 places pour participer à un colloque là et en juin prochain. Maintenant, qui l'inscription va l'ouvrir? Qui côté est capable de passer inscrit, M. Bessia? Inscription au Louvre déjà. Inscription au capable de faire de deux façons. Soit on fait les sous mail là, qui dans l'affiche là. Ok? L'affiche là, les en circulation sur les réseaux sociaux et les dans local faculté de droit et d'autres facultés également. Et dans les prochains jours, on a besoin d'affiche là dans local barreau, tribunal de première instance qui dans zone là également, Croix des Bouquets, Port-au-Prince, Petit Gouave, Saint-Marc, Mirebalais, on a besoin d'affiche là dans les prochains jours dans zone ça. Donc inscription au Louvre, on est capable de continuer procéder à inscription yo et puis préparer yo pour concours là. Est-ce qu'il y a payé pour ça? Oui. Moun qui simple étudiant yo, il a payé 500 gourdes. Maintenant, professionnel yo a payé 1000 gourdes. Donc, condition yo également présenté dans l'affiche là, gagne un compte bancaire pour déposer somme là. Et si on moun tout pas arrivé gagne temps pour aller déposer somme là sur compte là, il est capable toujours aller faculté de droit dans secrétariat général là déposer bail coblan liquide. Ensuite, il faut que mon prise bail de photo, faut qu'il y ait copie passeport là, inévitable puisque
nous gagne pour nous déplacer. Faut que moun sa li ba yon attestation de scolarité, ça relé un certificat faculté à Bali qui dit que li nan 4e année ou bien le fini ou bien pour moun nan gagne une attestation du BAO. OK, qui attester que li nan BAO en telle qualité, soit en qualité d'avocat stagiaire ou élève avocat ou avocat tout simplement. Et enfin, il faut que moun nan li présente une lettre de motivation. L'aide de motivation, c'est pour qui ça? Parce que niveau colloque, là, c'est au niveau maîtrise doctorale. Normalement, Maître Gerbi Blaise discutait avec l'université en Provence pour que des étudiants haïtiens, donc c'est nous-mêmes qui pratiquement de plus bas niveau, pour que des étudiants haïtiens participent dans le niveau ça. OK? Et donc, nous devons faire effort à travers l'aide de motivation yo, pour que moun ki pralé yo depuis avant que yo passe dans l'autre phase yo, yo gen capacité pour yo écrit normalement et le ça n'a pas digne de représentation nous en Haïti. Maintenant c'est le concours monsieur Damien Pralé qui ça a besoin gagner en termes de préparation pour que capable de arriver gagner concours là. Concours là préparation par l'autre c'est sous thématique des droits humains. Thématique des droits humains, par exemple, il y a une thématique qui fait parler de lien pile, c'est la détention préventive. Nous gagnons par exemple l'interdiction de départ. Ce sont des thèmes qui pourraient allouer à candidats pour yo affronter yo et véritablement abgayer un jury composé de professeurs, ok, composé de d'éminents professeurs. Qui peut évaluer étudiants sérieux dans le cadre concours ça, dans le cadre de plaidoirie. Alors c'est pour aller d'abord ou tu parles d'une phase en phase écrite, pas vrai? Il y a bien une phase écrite d'abord côté que étudiants yo yo a bien pour yo composer. Non. C'est un bon sujet de discussion de réflexion. Justement, un sujet de réflexion qui peut aller corrigé par jury ça également et après phase ça résultat yo a publié sélectionné pour aller dans phase orale. Une phase orale là il est ça c'est sous droit moun ou dit bah la pral discuter. Sous droit moun uniquement li pral discuter parce que formation colloque là li a fait sous droit moun faut nous gagne garantie que étudiant haïtien ou bien ancien étudiant qui je dis a professionnel avocat ou autre il faut que li gagne assez de capacité pour maîtriser thématique droits humains, ok? Parce que le nous dit niveau maîtrise dans un colloque gagne un retour qui pas prêt à le faire pour enseigner les béaba des droits humains, ok? Donc béaba ça yo nous doit tout à la avec yo comme bagage intellectuel lorsque vous arrivez dans un colloque là pour déjà à jour le soir capable d'avancer. OK, bien que dans le colloque là, il y a un professeur chaque participant parmi les 50, il y a un professeur qui a guidé. C'est un guide qui a guidé pendant tout colloque là, qui a orienté dans sali doué faire dans toutes les thématiques que yo pral traiter yo dans ensemble de questions qui pral développer en dans colloque là, guide ça. L'a aidé participant pour produire quelque chose avant de le déplacer. Donc nous connaît information ça généralement très enrichi. Maintenant est-ce que nous pas priorité à monsieur dame qui dans faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince ou bien n'importe qui monde qui a fait sciences juridiques n'importe qui sort d'université dans pays qui peut participer? Non, pas de discrimination ça, c'est quitte ou faculté de droit, quitte ou et des sciences économiques, quitte ou Notre-Dame ou Kiskeya ou école de droit et des sciences économiques des Gonaïves ou école de droit des CAI du Cap Haïtien ou libre de participer parce que objectif nous c'est recruter les meilleurs parce que si imaginez les d'or si que il y a 6 places qui réservées pour Haïti si nous t'es qu'à juste relé 6 10 amis si nous t'a fait bagarre la même gel qu'on a habitué fait dans pays là relé 6 10 amis ben non et puis à participer non
Le ça, Haïti victime, pays à victime. Ou même ou blasé lorsque vous avez un monde représenté pays, il n'y a pas de capacité pour ça. Il était fait sous base zami taille ou bien népotisme. C'est objectif là même, c'est choisir meilleur représentant possible pour Haïti, le ça au moins, et Haïti a pour représenter valablement, le ça n'est pas ban nous, on sait de traitement qu'on a habitué ban nous. Alors, c'est un concours d'excellence? C'est pral avant tout un concours d'excellence. Un concours d'excellence, côté que la a bien couverture médiatique, tout le monde a pour que c'est tel monde qui gagne vraiment et qui est capable de représenter le pays. Parce que moi-même, ça fait bien le map gardé, un haïtien a explosé à l'étranger. Un haïtien, laisse à moi-même en tant que haïtien, me sentir drapeau me flotter puis haut. Et m'ta préféré que on l'autre moun aller dans place ou dans question quelconque. Moi-même avant tout, m'beaucoup pas éligible pour. Et alors m'ba élu d'office pour colloque là, par exemple, m'ba élu d'office. Si me voulais aller dans colloque là, m'prêt aller dans concours normalement. OK? Donc ça me voulait dire par là si il y a des moun qui meilleur que moi-même, puis qu'on vient juger parti tout. Voilà, non, m'pap non. Parce ici, la plus fois, vous n'avez pas examen et vous corrigez les biodiologues. Oui, l'étape gagne une certaine subjectivité dans ça, et heureusement, nous faisons effort là. Donc, monde qui n'a comité à yo pape et participer. Parfait. Maintenant, qui ça gagne au Valguin à Padre en France, en été, et pour colloque là? Qui ça, qui l'autre prime, y a gagné dans quatre concours là? Bon, nous déjà très clair, pas gagné l'autre prime. Pas gagner l'autre prix, mais nous ne pouvons pas aller faire gagner au coin que nous sommes capables de joindre un prix qui n'a pas existé. Pas gagner l'autre prix. Sauf que colloque là déjà en soi pour un monde qui est dans le domaine ça, il connaissait quelque chose de grand. Et la seule chose, c'est que gagner des marches pour que le voyage soit fait, qui pratiquement presque fini sur un certain point et sur d'autres points il y a entreprendre pour que moun ki gagne yo pas besoin payer un goutte. Elle dit tout frais payer. Elle dit seulement moun l'absent préparé parce que c'est ça qui a fait pour que pas gagne aucun frais qui payer. Quel hôtel justement c'est ça qui a fait mais démarche yo OK sur certains points mais yo poko fini OK sur d'autres points. Donc il y a continuer nous gars assez de temps devant nous. Donc, c'est en juin, on est en janvier donc c'est nous gars environ 5 mois pour nous. On a plus fois nous toujours dit n'a gain temps parce qu'ici encore tout le temps, on dit gain contrôle temps. Heureusement c'est ça qui fait concours là de fini fin février. Pour que toute démarche capable d'être fin fait mars et avril. Donc c'est un comité qui prend très au sérieux activité ça. C'est nous pas basé sur question en agitant d'ailleurs ouais pour joindre concours déjà fait depuis déjà lancé depuis janvier et a fait en février. Qui en a fini? Nous prévoir fini 24 février. Nous prévoir fini alors, 24 fini février. Avec inscription yo? Non, c'est pas inscription yo, c'est concours net. Mais qui l'inscription a fini? Concours et inscription yo a fini le 3. Le 3 février. Alors, je t'ai dû finir avant ça, mais puisque tu as un petit retard dans le début de l'inscription, il y a un petit prolongement pour permettre aux gens qui peuvent joindre toute information, ils sont capables d'inscrire sans problème. Donc, l'inscription a bouté le 3 février, le ça, et tout le monde est capable de commencer à préparer. Bon, si vous voulez depuis qu'on y a, mais. Comment se préparer pour l'autre phase? De 3 février à 24 février, concours va dérouler. Concours va dérouler. Et résultat publié qui le? Résultat yo a et publié et séance de notes. Ah bon? C'est un concours de plaidoirie côté qui a bien un jury et affrontement yo fin fête, jury a tranché et puis c'est même 24 février on la connaît. Même 24 février, tout le monde doit connaître qui est gagnant parce que c'est côté la fait concours là. N'a pas regardé de quelle mesure nous sommes capables de faire les cours de cassation. Mais nous pouvons confirmer complètement. Si vous avez regardé, quand vous jouez nous, son numéro de téléphone, et
qui sont dit rapidement là. D'abord, vous êtes capable d'écrire nous sur adresse mail concours, qui c'est exglobaljusticehaiti2018@commercialgmail.com. Ex c'est AIX global sans E, global justice Haïti 2018@commercialgmail.com. Tout collé. Tout net collé. Ensuite, il est capable d'écrire nous sur 36 47 63 46. Il est capable d'écrire nous également sur 34 76 46 48. 34 76 46 48, ou bien passer dans le secrétariat faculté de droit et des sciences économiques. On vient toute information, on est capable de déposer dossier. Objectif nous là aujourd'hui, c'était pour montrer transparence et tout concours ça, et puis importance, compétence dans la représentation. Quel intérêt un jeune qui fait droit, ou bien qui a fini fait droit, ni ça, tu as gagné pour participer dans le bail? Normalement, ils ont formation comme ça, on dit niveau déjà. Fait 2 semaines à suivre, c'est équivalent pratiquement de 6 mois qu'on a perdu par l'école. Ok? Par exemple, si nous disons faculté de droit fermé depuis le mois de juin pour te faire examen, après ça, nous passer dans la reprise, pendant toute période ça, où tu es doué à suivre certaines formations. Si, donc, l'équivalent de période dans un long espace de temps. C'est également capacité, c'est une possibilité pour rafraîchir mémoire sur thématique. Et puis, bah, ou d'autres formations dans le domaine. Bah, ou d'autres formations dans le domaine. Donc, lorsque un étudiant ou bien un monde qui te fait droit déjà suivre une formation comme ça, li chargé, li armé pour li parler de droits humains en Haïti et dans le monde entier. Oui, je suis content et va te boucher matin. Merci en pile et puis me souhaiter succès à l'initiative là. Merci Lindor, donc c'est ton plaisir. Nous saluons tout le monde. C'est ton plaisir. Voilà, invitez-nous matin. Oui, je suis allé au Port-au-Prince pour nous parler dans le premier temps de réalité, faculté de droit et sciences économiques. Et puis dans le deuxième temps, concours, plaidoirie sur droit moun. Merci en pile parce que tu es là avec nous sous télévision nationale d'Haïti, sous télé en direct. Parce que tu passes une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée, à bientôt. Merci beaucoup.